Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture courrier pour le concours des 500 abonnés. J'ai reçu donc un joli courrier avec une belle enveloppe verte avec une fleur. C'est un courrier d'Edith. Participation d'Edith. Alors, j'ouvre. Waouh! Donc, une jolie pochette avec un bel arbre en fleurs. Je suppose que c'est un cerisier, on dirait. Je ne sais pas. Je ne suis pas une spécialiste, avec marqué printemps sur un papier un peu glacé et brillant, et à l'intérieur une jolie ATC marqué le printemps avec un petit lutin sur une balançoire, une jolie petite fleur avec une demi-perle. Mignon comme tout. Dans sa petite pochette plastique. Alors je lis. Très jolie. Là, elle est venue embosser son papier. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, avec des petites fleurs et une jolie, un tamponnage d'une jolie fleur. Je vais lire. C'était au temps qu'arbres fleurissent, bocages feuillus, prés verdissent et des oiseaux en leur latin doucement chantent au matin. Chrétien de Troyes. Joli. Et donc elle m'a fait une jolie carte marquée printemps avec donc un fond vert et blanc. Elle est venue mettre également du papier doré en haut et en bas, des jolies marguerites sur un fond qu'elle a dû faire avec des encres à alcool, je pense. Edith, tu me diras si tu as fait sur avec des encres à alcool sur du papier photo. Je pense que c'est ça. Très joli, c'est très frais. Et deux jolis tamponnages de fleurs avec un ancrage vert et pailleté. Pailleté doré. C'est très joli. Vraiment très joli. Eh bien, écoute, Edith, je te remercie pour cette jolie participation. C'est vraiment très joli. On va passer au deuxième courrier. Alors, c'est plus qu'un courrier, c'est un carton. C'est un carton qui vient de Perlette. Alors, je crois que Perlette, que tu as dû me gâter parce que
C'est lourd. Alors, je vais sortir au fur et à mesure. Perlette, comment tu as deviné que j'étais une gourmande? Eh oui, de soir, quand je scrapte, eh ben, je mange entre les gâteaux, le chocolat, les bonbons. Eh bien, je suis gâtée. Un grand paquet de madeleines. Je vais me régaler. Alors, il y a des enveloppes. Alors, ouvrir en premier pour comprendre, pour voir la suite. Bise Perlette. Alors, une enveloppe rose avec que des bonnes choses. Une boîte à thé avec sa tasse et des petites gourmandises. Alors, je vais lire. Quelle super idée! Alors, voici le calendrier de l'avant-été. Alors, T, T-H-E, et entre parenthèses, été. Il commence le 1er juin et finit le 21, le jour de l'été. Merci à toutes les scrapeuses qui font voir des tutos de rêve. Bonne chance à vous tous, Perlette. Quel petit mot gentil. Donc, je suppose que le calendrier d'été. C'est énorme, mais c'est énorme. Waouh. Waouh. Que c'est joli. Oh, puis ça sent bon. Alors, elle m'a fait... C'est un album avec des infusions dedans. Ça sent bon. Avec de jolies petites marguerites en dentelle. Un joli papier de fond représentant que des plantes. Je skip pédaling avec un joli vélo. Une jolie demoiselle avec un beau bouquet de fleurs. Et elle est venue mettre une demi-perle pour faire une barrette. Des petits diamants. Une jolie découpe toute fine. C'est magnifique. En tout cas, ça sent très bon. Oh là là là. Que c'est joli. Une magnifique dentelle de papillons de toutes les couleurs. Un petit papillon en feutrine. Une tasse à café. Une bonne cerise. Une cuillère. Parfait avant le pays des rêves. Ce sont donc des infusions. Elle a mis de jolies petites découpes. Elles sont toutes fines. Des jolies découpes de fleurs. Une pomme. Et donc, dans chaque pochette, j'ai une infusion.
un thé vert détox. Je sens que je vais me régaler. Citron et gingembre infusion. Oh là là, ça doit être bon. Je fais ma gourmande. En tout cas, c'est magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça, ce travail. Hein. Eh bien, écoute, Perlette, chaque soir, pendant le mois de juin jusqu'au 21 juin, je penserai tous les soirs à toi. C'est magnifique. Et puis, je trouve que c'est une super idée. Très originale. Et ça sent extrêmement bon. Je vous garantis, ça sent extrêmement bon. Un joli timbre. Un petit nounours. Une fraise. Une pomme. Alors, je vais lire. Elle m'a marqué des choses en doré. Les fleurs bercées par la bise scintillent de mille couleurs, c'est l'été. Waouh! Les senteurs de l'été. Je m'assois à l'aube dans l'herbe fraîche. Une note fruitée se dégage de ma tasse. Le soleil illumine les champs de fleurs aux couleurs arc-en-ciel au loin. C'est l'été. C'est magnifique. Magnifique. Eh bien, écoute, Perlette, franchement, il y a du travail dans ce calendrier. C'est une idée très originale. Et tu as eu à respecter tout à fait le thème du printemps. Et je t'en remercie. Et je te dis, je penserai à toi pendant tout le mois de juin jusqu'au 21, jusqu'au jour de l'été. Et elle m'a donc fait également une petite carte avec deux jolis timbres, de jolis cœurs en dentelle avec une tasse à l'intérieur. C'est très mignon, c'est très fin, ces petits stickers transparents. Elle est venue également embossée. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, avec des fleurs. Encore un joli timbre. Je suppose. Waouh! Regardez comme c'est mignon. Alors, je vais déplier un petit peu. Regardez. Marqué 500, donc les 500 abonnés, avec un petit chien qui me dit bravo pour les 500 abonnés. Il est mignon, ce petit chien. Eh bien, écoute, Perlette, merci beaucoup, beaucoup. C'est très original comme carte également. Idée à retenir. Que ce soit pour la carte ou que ce soit pour ton calendrier de l'été. Eh bien, écoute, Perlette, je te remercie beaucoup pour ta participation. Tu m'as gâtée.
Eh bien, écoutez, voilà donc l'ouverture de ces deux courriers. Donc, le courrier de la participation. Alors, je vais essayer de tout mettre. La participation de Perlette et la participation d'Edith. Donc, Edith, tu seras le numéro 5. Note-toi-le de ton côté. Moi, c'est déjà fait. Et Perlette, tu seras donc le numéro 6. Eh bien, écoutez, je vous dis bravo les filles. Ce que vous m'envoyez, c'est magnifique. Je suis comme une petite gamine devant les cadeaux du Père Noël. Parce que je trouve ça magnifique. Vous avez toutes des idées différentes, mais c'est magnifique. Voilà, bah écoutez, cette ouverture courrier est terminée. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.